amis, oui, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, vous ne rêvez pas, il y a une vidéo sur la chaîne, voilà. Et ça va continuer parce que voilà, je suis de retour. Donc voilà. Vous avez vu, il n'y a plus de vidéo pendant un moment. Je pense que pendant presque 3 ou 4 mois, voilà, je n'ai pas regardé exactement. Je suis désolée d'avance si vous entendez du bruit, mais mes voisins sont occupés de refaire la toiture. Franchement, j'essaye de filmer en ce moment, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, voilà. Donc, ben voilà, là, je me suis dit, tant pis, je filme. Tant pis s'ils font du bruit, on entendra leur bruit. Et puis, c'est tout. Donc, ben voilà, dernièrement, donc voilà, ici sur YouTube, vous avez vraiment, vraiment plus vu de vidéos. Ensuite, j'ai un peu abandonné Insta et Twitch aussi, voilà. Hein, donc oui, j'ai tout abandonné, je me suis éloignée un peu des réseaux, on va dire. Certaines personnes sont venues me voir, sont posées des questions, parce que bon, bah voilà, ils étaient habitués et tout. Je vous remercie d'avance, donc ceux qui sont venus. Franchement, ceux qui ont pris des nouvelles, voilà, qui passeront par ici, je vous remercie. Ben, certains savent au fait, voilà, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai accumulé. En fait, YouTube, c'est pas. C'était déjà au fait, donc je sais pas, voilà, c'est dans ma tête, je dois faire ça, je dois faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais finalement, je me rends compte que. Ben voilà, j'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre. Genre, par exemple, voilà, quand j'ai voulu faire les. Pas les Vlogmas, mais les Bookmas, au fait, en décembre, ben je me suis rendu compte que faire une vidéo tous les jours pendant 24 jours, c'était quelque chose qui était. Voilà, que je n'ai pas arrivé à suivre. Et il y avait tellement de vidéos en décembre que finalement, j'avais l'impression que ben, mes vidéos passaient un peu à la trappe. Voilà, donc ben déjà, ça a commencé à ce moment-là. Je me suis un peu démotivée. Et puis, ben voilà, je me rends compte clairement que, voilà, tourner une vidéo par jour pendant 24 jours, c'est quelque chose que je ne ferai plus. C'est quelque chose que je ferai plus parce que, voilà, je me rends compte que ça me convient pas. Ça me convient pas, même si, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire à la base. Ça me convient pas, donc je le referai plus. Voilà. Il faut se rendre compte de, voilà. Il y a des choses que j'ai fait, c'est bien, ça me plaît. Il y a des choses que j'ai fait, bof, je me suis. Allez, ça m'a pas vraiment convenu, même si ça me plaisait. Mais voilà, j'ai pas su suivre derrière. Donc à quoi bon se dire que bah voilà, je ferai ça, quoi. Ouais, mes cheveux sont occupés de repousser. Et ça fait des crolettes partout, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous avoue que bah, finalement, voilà, le fait de vouloir faire une vidéo tous les jours pendant 24 jours, finalement, ça m'a un peu démotivé à la fin. Ça m'a un peu démotivé à la fin, ce qui est dommage. Et donc voilà, bah, finalement, je vous ai pas fait de bilan, je vous ai rien fait quasi, voilà, en début d'année. Bon, maintenant, je me dis, on est au mois d'avril, clairement, voilà. Je vais pas vous refaire des bilans du mois de 2022. J'ai l'impression que ça va un peu, genre, faire. Ouais, je vous fais un bilan, mais au fait, ben, on est au mois d'avril, tout est passé. Alors, le truc aussi, ben ouais, c'est que je me rends compte aussi, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est que, voilà, je tourne les vidéos et je prends pas le temps de répondre à vos commentaires. Et tout ça, voilà, c'est des trucs que j'ai envie de changer. Voilà, c'est des trucs que j'ai énormément envie de changer. Bon, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne, voilà, cette vidéo qu'on est le 13 avril, je crois que je vous la mettrai directement en ligne après, voilà, si c'est possible, si j'arrive à la monter, si j'ai le temps, tout ça. Mais voilà, j'avais déjà repris, au fait, donc j'avais déjà commencé un vlog, j'avais tourné ma balle d'avril. Voilà, on est le 13 avril. J'ai tourné ma palle d'avril, mais je ne l'ai pas montée. J'ai retrouvé la motivation. La motivation, ouais, je l'ai. Elle est là et tout. Le problème, c'est que bah, entre le temps où je vous ai tourné, donc voilà, ce vlog, ce début de vlog, et entre le moment voilà, où je vous ai tourné cette palle d'avril et tout,
Enfin bref, j'avais vraiment tourné plusieurs vidéos pour tout vous mettre en ligne. Et puis, ben voilà, le coco est revenu, hein. Merci coco. Donc, voilà, merci le Covid. Donc voilà, ben, clairement, là, je vous tourne une vidéo, mais voilà, ce sera très très court pour l'instant, parce que je sais pas si c'est le coco qui fait ça ou quoi, mais toujours est-il que, voilà, je suis dans une phase très 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 fatiguée. Voilà. Donc, bah, streamer en étant très fatiguée pour l'instant, clairement, je ne le ferai pas. Voilà, j'attendrai de récupérer, j'attendrai que tout va bien pour streamer dans les bonnes conditions, on va dire, voilà. Clairement. Je vais revenir en stream, je le sais, voilà, mais pour l'instant, ça, pareil, c'est quelque chose que, voilà. Je vais attendre d'être vraiment, vraiment plus en forme, de retrouver l'énergie. Qu'est-ce que j'allais encore vous dire? Ouais, donc Instagram, voilà, pareil. J'ai plein, plein de chroniques de retard, voilà, ben, même à l'écrit, voilà, j'ai plein de chroniques de retard. Parce que j'ai lu quand même, j'ai lu. J'ai beaucoup lu, au fait, quand même, depuis le mois de janvier, je trouve. Je suis à 35 livres lus, un truc comme ça, depuis le mois de janvier, je sais pas exactement. Je tiens le compte sur Goodreads, voilà, mais il me semble que c'est une histoire comme ça. Donc, ben voilà, j'aimerais quand même bien vous parler des livres que j'ai lus. Clairement, donc je vais reprendre au mois de janvier par rapport à Insta. Voilà, ça c'est sûr. Par rapport à Gekopolis aussi, voilà, donc je vais reprendre au mois de janvier, donc par rapport au mois de janvier, donc tout ce que j'ai lu. Vous allez revoir des vidéos sur la chaîne également. Par contre, je ne sais pas ce que je vais faire. Dites-moi si ça vous intéresse, genre, de voir un bilan du mois de janvier, fin avril, début mai, voilà. Parce que j'aurai un bilan de janvier à faire, un bilan de février et un bilan de mars, voilà. Donc ça fera trois bilans. Trois bilans, ce qui fait quand même, voilà, des vidéos assez conséquentes et qui finalement seront un peu retardées. Ça, c'est. Voilà, c'est certain. Si je le fais comme ça, au fait, voilà, c'est des vidéos qui seront. Que vous verrez vachement, vachement en retard. Ou alors. Je laisse mes chroniques Insta où je vous fais des petites petites vidéos, voilà, des petites shorts, voilà, pour vous parler des livres que j'ai lus, je sais pas. Je sais pas, ça, je suis encore occupée de me tâter, voilà. Il y a un réseau sur lequel j'aimerais vraiment, vraiment bien me lancer, c'est TikTok, mais je sais pas encore comment, voilà. J'y réfléchissais, j'avais l'envie, et puis, ben. Voilà, tout à fait que, franchement, ce début d'année était assez compliqué, donc voilà. J'avais l'envie, mais il y a eu mon genou aussi qui a fait. Ceux qui n'ont pas suivi, oui, j'ai un problème au genou, en fait, j'ai mon genou droit qui est complètement foutu. Donc j'ai passé, ben, il a fallu du temps que j'ai un rendez-vous chez un spécialiste, tout ça, machin. Donc ben, j'ai passé du temps avec des douleurs et tout, donc voilà, c'était aussi. Compliqué. Maintenant, j'ai fait une infiltration, c'est plus ou moins, c'est mieux. C'est pas top, mais c'est mieux, voilà. Donc de ce côté-là, c'est déjà plus ou moins réglé. Et puis, bah, juste après, voilà, là, clairement, à l'heure où je vous parle, voilà, je suis encore tous les faits, fatigue, Covid, tout ça, voilà. Donc j'espère que ça s'en ressentira pas trop. Dans cette vidéo, mais voilà, je me dis en même temps, il y a plein, plein, plein de belles choses qui m'arrivent. Voilà, au niveau des livres dernièrement, voilà, je trouve que voilà, c'est vraiment une super, super période. Je dis pas de voilà, en 12 ans, voilà, il y a plein de belles choses qui me sont arrivées, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit creux comme ça, et puis là, que ça reprend vraiment, que l'année passée était une était génial et que cette année niveau lecture niveau tout ça ça a vraiment vraiment bien démarré entre autres par des partenariats qui seront certainement récurrents pour certaines maisons d'édition pour d'autres voilà je sais pas mais en tout cas voilà je suis ravie parce que je me dis finalement voilà il y a des maisons d'édition qui me font confiance il y a des maisons d'édition qui sont contentes
voilà, de me voir clairement, de... Et voilà, pour tout ça aussi, je me dis, je peux pas me mettre la pression, clairement. La pression, je me la mets plus. C'est un truc que j'ai arrêté, franchement, la pression, c'est fini. Mais je me dis quand même pour ces maisons d'édition et pour vous, parce que je sais que bah, vous êtes là, vous venez me demander des nouvelles aussi, et ça fait vachement plaisir. Voilà, j'ai envie de revenir là sur YouTube, franchement. Plus que jamais, franchement, voilà. Cette pause m'a fait du bien, en fait. J'ai l'impression que cette pause m'a fait réfléchir, m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et finalement, bah, je me rends compte que, voilà, hein, la chaîne a eu 6 ans, donc au mois de décembre. On n'a pas parlé plus que ça, mais voilà, ça. J'ai toujours envie d'y revenir, finalement. Même si je fais des petites pauses, voilà, j'ai toujours envie d'y revenir. Bon, après, l'idéal, ce serait que, voilà, j'ai toujours l'envie, sans faire de pause. Mais quand on n'a pas l'envie, est-ce que ça vaut le coup, franchement, d'être là? Clairement, je pense, moi, personnellement, je pense qu'il faut continuer par envie et pas par, voilà, pour être là. Donc, voilà, ben, je vous ai laissé tomber un peu, hein, c'est la vie. J'ai l'impression que je papote, voilà, je papote, et au fait, je tourne en rond. Je tourne en rond. Donc voilà, tout ça pour vous dire que donc j'avais commencé un vlog, j'avais tourné une palle d'avril, je vais quand même, je crois, la mettre, voilà, parce que je m'étais dit, j'avais réfléchi en plus, voilà, je m'étais dit, bon allez, tu vas redébuter le mois d'avril, voilà. Tu vas essayer de faire des vlogs, tu vas essayer de tenir les vlogs, parce qu'il faut savoir que des vlogs, j'en ai commencé 4 depuis le début de l'année que j'ai abandonné, parce que bah voilà, j'ai tourné une fois et après j'y suis pas revenue. Mais voilà, là je me suis dit, début avril, voilà, j'avais l'envie de recommencer des vlogs, de me dire, voilà, je fais un vlog, et alors dans les vlogs, vous verrez, hein, dans le vlog qui va arriver, donc que j'ai commencé à tourner. C'est vous montrer en même temps mes lectures, les livres qui arrivent, sauf quand il y en a trop exceptionnellement. Mais voilà. Parce que bah, finalement, bah, les boucles des derniers mois, on est mieux gratte, les boucles des derniers mois, voilà, je pense que clairement, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber, parce que oui, bah, il y a des livres, vous direz d'où viennent-ils. Mais voilà. Je me dis. Vous reprendre maintenant au mois d'avril avec un book-haul de septembre, ça n'a aucun sens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné, voilà, le book-haul du mois de mars. Il est tourné, celui-là, je vous le mettrai en ligne, c'est sûr. Et donc, depuis le 1er avril, ce que j'ai fait, enfin, depuis le premier rush, et je vous... Normalement, je devrais tourner un second rush très bientôt. Mais voilà, je ne vais pas laisser tomber ce vlog. Donc, c'est que je vous ai montré les livres qui sont arrivés, les livres que j'ai achetés, voilà, les livres que j'ai reçus. Je vous ai montré tout ça dans le rush aussi, au fait. Comme ça, bah, je vous ferai plus de book haul finalement. Et ce sera principalement des vlogs. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais commencé à faire. Donc voilà, là, cette vidéo, c'est principalement pour vous dire que je suis de retour. Franchement, j'ai vraiment envie de reprendre cette chaîne. J'espère que voilà, il n'y a plus de bâtons qui vont se mettre dans les roues parce que ça c'est plus compliqué, franchement, c'est plus compliqué le fait que ben même si l'envie est là, il faut l'énergie avec. Voilà. Et j'espère que voilà, je vais trouver l'énergie pour voilà, revenir régulièrement sur YouTube, vous tourner des vidéos. Il y aura peut-être une vidéo par semaine, des fois deux, des fois trois. Tout dépendra de comment je tourne, comment je lis, voilà. Je me mets pas d'objectif. Les vidéos arriveront comme elles arriveront. Voilà, s'il y a une semaine sans vidéo, il y a une semaine sans vidéo. Ma foi, c'est pas bien grave. Toujours est-il que j'essaierai toujours qu'il y ait une palle du mois. J'ai vraiment envie de faire ça parce que, voilà, là j'ai tourné ma pub du mois d'avril. Vous l'avez pas encore vue, mais je trouve que je la respecte quand même bien. Donc je trouve que, voilà, c'est un truc qui me convient bien, c'est tourner une palle du mois. Ça me correspond bien. Des vlogs, voilà, des vlogs principalement. Là, j'espère que ouais, je pourrai venir principalement. Je pense que voilà, il y aura des vlogs. J'ai déjà un tag que j'ai envie de tourner. Donc voilà, il y aura aussi un tag.
Il y a des choses qui sont tournées, il y a des choses qui ne sont pas encore tournées. Bon, sachez que voilà, prochainement, vous verrez. Donc voilà, vous verrez quand vous aurez vu cette vidéo. Prochainement, donc vous verrez ma palle du mois d'avril, parce que voilà, je vais pas laisser une semaine entre cette vidéo et ma palle du mois d'avril. Parce que sinon, bah, on sera le 20, il n'y a plus d'intérêt. Donc ma palle du mois d'avril, voilà, c'est celle que je vais essayer de monter assez vite. Après celle-ci, et puis bah, le boucle du mois de mars, ma foi, vous le verrez quand vous le verrez. C'est pas trop grave. Et puis alors, bah, du coup, j'essaierai de faire un bilan de janvier, un bilan de février, un bilan de mars, voilà. Après les bilans, je verrai, voilà, si je continue. En fonction, bah, écoutez, si je vous ai bien parlé des livres dans les vlogs, je sais pas trop si je vous ferai les bilans. Ça, voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore. Vous me direz si ça vous plaît, et moi je verrai si ça me plaît, voilà, si j'arrive déjà, si je me sens bien tourner celui de janvier, celui de février, celui de mars, et voilà, si je continue. Et sinon, ben, de toute façon, voilà, je continuerai à papoter, à vous dire tout ça en vlog après, donc ce que je continue à faire, ce que je continue pas à faire, voilà. Enfin, bref, voilà, je me rends compte qu'il y a des formats qui me conviennent bien, des formats qui me conviennent moins bien. Et voilà, je pense que je vais plus mettre la pression pour avoir des vidéos sur la chaîne, avoir des vidéos sur la chaîne. Putain, non, c'était vraiment ça, voilà, que j'avais envie, c'était d'avoir des vidéos sur la chaîne. Maintenant, j'ai envie de, voilà, de redémarrer en me faisant plaisir, voilà, vraiment, en me disant, j'ai envie de tourner une vidéo aujourd'hui, voilà, je le fais, et plus, il faut qu'il y ait une vidéo sur la chaîne, c'est ça qui est fort important. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là, parce que, voilà, j'ai l'impression que pendant 17 minutes, voilà, j'aurais papoté pour dire pas grand-chose, et puis, donc, bah, je vous retrouve très vite, voilà, avec la pile à lire d'avril, que je mettrai avant le vlog, bien sûr, aussi, parce que voilà, la pile à lire d'avril, voilà, donc dans le vlog vous verrez déjà donc des livres de cette pile à lire, donc voilà. Je suis désolée si cette vidéo était un peu fouillie, j'ai l'impression que j'ai vraiment plus l'habitude de tourner, de parler, voilà, de vous parler face cam, voilà, c'est fou, j'ai l'impression qu'on perd vite l'habitude, voilà, donc je m'excuse d'avance, voilà, si cette vidéo a été un peu fouillie. Et puis, bien sûr aussi, je prendrai l'habitude de répondre à vos commentaires directement. J'essaierai un maximum de répondre à vos commentaires directement, voilà. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. Surtout, bah, écoutez, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire, voilà, si vous avez envie de me dire, me laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie aussi bah, d'être nombreux sur la chaîne, parce que, voilà, vous êtes restés, et à la fin, vous avez été malgré tout de plus en plus nombreux, et ça, ça me fait très plaisir. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous et des bisous.